Bonjour. Allô? Excusez-moi, je crois que j'ai perdu ma connexion un instant. J'avais plus rien qui marchait. Ah oui, c'est revenu, c'est revenu. Attendez. Les carrés sont beaux à côté. Rip, rip, no, no. Pardon, c'est juste c'est belle dame et cet océan et cette mer. Oui, et lui, l'heureux. C'est un peu trop là. Ah, c'est bon, je suis revenu. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu un bidouillage sur la box ou alors. Un petit problème de quoi? J'en ai aucune idée. J'espère que ça ne se reproduira pas. Alors, je vais préparer les petits trucs que les gens ont prévus. Alors, on a Alex qui nous a envoyé une photo d'herbe. On a les... Oh non, il va falloir que je le montre là. Je sais pas combien il y a de mer et d'océan. Alors, attendez, ouvrir les jeux. Et je dois avoir un capture d'écran. Capture d'écran. Zone de texte. Capture d'écran. Donc, cette semaine. J'ai enfin bossé sur ce que je voulais. Ah, ça c'est chouette! Est-ce que t'es content de ce que t'as fait du coup? Alors, la co a bloqué de mon côté au même moment. Mais le résultat est moche. Mais c'est juste que c'est pas fini. C'est juste que c'est pas. Et en vrai, franchement, moi j'apprends un truc là avec le bois. Quand tu pars de ton morceau de bois qui est un carré et que tu finis avec ta petite sculpture à toi, c'est la petite sculpture de renard que j'ai mise sur le Discord. Bah au début ça ressemble à rien et au fur et à mesure ça ressemble de plus en plus à quelque chose. Je vais te montrer. Bien. Au début, tu pars de ton carré de bois, ça ressemble à un cube de bois. Et tu vas commencer à tailler dedans et tu vas dire putain ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien, ça ressemble à rien, ça ressemble à rien. Et puis, au bout d'un moment, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais ça a l'air un peu cursed, tu vois. Parce que c'est pas poncé, et parce que les angles ils sont pas bons, les profondeurs sont pas bonnes, il y a des choses qui vont pas. Et là tu viens poncer, et les angles s'arrondissent, et après tu viens huiler, et les contrastes se font. Et c'est là que tu te dis finalement, oui, ça ressemble à quelque chose. Donc si le résultat est moche, c'est que c'est juste pas fini. Donc, Angèle nous a proposé ça. Alors c'est tout petit. Je sais, je peux l'agrandir, mais c'est pixelisé si je l'agrandis. Et ça s'appelle YOLO.png. Donc on a des formes géométriques. Je suis désolée, je le mets en grand. C'est pixelisé, mais c'est pas grave. Alors moi ça m'apaise, hein, les formes géométriques, parce que j'ai une grosse tendance à... Je sais pas, les formes géométriques ça m'apaise, mais globalement, là du coup je suis bien, tu vois, il y a des carrés, il y a des cercles, il y a des losanges, il y a des triangles, et du coup je suis là, je suis en mode... Ah, c'est harmonieux, c'est mathématiquement joli à regarder. Moi j'aime bien, en plus tout est dans une nuance de vert, je trouve ça joli. Je ne sais pas si Angel t'a quelque chose à dire là-dessus. Mais je suis très très friante de ce genre de truc. Très visuel. C'est que des multiples de 4. En termes de diamètre, de rayon, etc. Ou du nombre de trucs à de symboles, etc. Ah coucou Alex, comment tu vas? Ça faisait longtemps? Moi je trouve ça trop bien. Franchement, je le trouve apaisant. La couleur joue peut-être, mais globalement je le trouve apaisant parce que il y a toutes ces formes géométriques qui s'expriment. Je trouve ça trop bien. Bah ça va, je suis épuisée. En vrai, je suis méga fatiguée. Je vais pas vous mentir. J'espère qu'il reste plus beaucoup de temps de jeu sur A Long The Edge parce que je ne tiendrai pas très tard ce soir. Je suis vraiment fatiguée. Et
Ça va venir plus. Enfin, le déménagement est pour bientôt. Là, on a déjà bougé les setups. Et ça va aller mieux. Là, j'ai déjà les yeux qui se ferment tout seul. Mais ne vous en faites pas, je maintiens le stream de ce soir. Tout va bien. La fleur ici. Alors, la fleur, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment incroyable, la fleur. J'aime beaucoup. Oh, salut, Alex. J'en suis fière. Mais tu peux. C'est vraiment très très beau. Oui, les couleurs apportent des émotions. Il me semble que le vert fait partie des couleurs représentées. Alors, moi, j'ai un peu bossé là-dessus. J'avais fait pas mal de recherches sur tout ce qui était couleurs pour un projet d'école d'ingénieur où on faisait de l'entrepreneuriat. Les couleurs, en fait, vont avoir différents impacts sur le mental des gens. Si tu veux quelque chose d'apaisant, tu prends du mauve, du bleu clair ou du vert. Le bleu clair et le vert vont rappeler l'extérieur et la nature, et le mauve, c'est vraiment une couleur qui est plutôt reposante. Coucou Purple, coucou Retard, ah, mais de tonton, OMG. Je saurais pas la refaire par contre. La fleur? C'est une excellente question. Merci pour le sub, Purple. Merci pour le Prime. Merci à toi. J'espère que vous avez entendu, parce que moi je l'entends. Donc j'espère que vous aussi. Alors c'est con que tu saches pas la refaire parce que je la trouvais très jolie. Et en plus, alors je sais pas si c'est volontaire, mais t'as un pétale gros, deux pétales petits, un pétale gros, deux pétales petits, j'ai l'impression. Et bon, c'est. Oui, ils m'ont abandonné dans leur ancien appart. C'est pas vrai, on t'a pas abandonné. On t'a confié l'appart. Ensuite, ah, on a le coup de génie de Renard. Pas de son sur l'alerte. Zut. Ça, c'est pas normal. Oh, regardez qui est là. Viens. Viens. Attendez. Regardez. Regardez. Regardez qui est là. Elle nous montre ses fesses. Viens. Bonjour, chance. Le retour des chats. Alors, ma petite chance. Hein? On voit son cul. Oui, elle montre ses fesses. Tu montres tes fesses, t'aimes bien montrer tes fesses. Eh, tu grognes pas sur Orion. Je t'ai entendu, hein. Non, t'as grogné, je te caresse plus. Ouais, et elle a pas apprécié le voyage. Du coup, maintenant, elle grogne sur Orion. Ce qui est inacceptable. Alerte chat. Oh, coucou chance, oui, le chat. Viens, Orion. Viens dire bonjour au stream, on s'en fiche de la grogneuse là. Viens, mon bébou. Ouais. Et le bébou. Chance. Chance. C'est bon, Orion. C'est bon, Orion. Et mon bébou. Mon oui, toi t'es gentil, toi. Mon oui, il est gentil, regardez comme il est beau. Toujours aussi mignon, mais oui. Oh oui, le bébou. Il veut faire chier Chance. Mais Chance, elle grogne sur tout le monde là, donc. Il tout fluffy, oui. Il est adorable ce chat. Alors. On était là-dessus. On a le coup de génie de Renard qui nous a dessiné un verre vert rempli de verre à l'envers. Avec un texte qui dit « Très drôle, ça dit donc !» Oh, puis il l'a fait énorme son dessin. Et le petit ver au milieu dit « Hello !» Oui, un ver vert en vert, à l'envers avec des vers.
Je vois un chat comme ça, avec plein de poils tout fluffy pour plein de câlins. Mais il est adorable et il fait des gros câlins. Depuis qu'on est revenu ici, comme ils ont eu une grosse période où on venait pas trop parce qu'on préparait les cartons, maintenant qu'on s'est un peu plus remis ici, il nous suit partout, il nous lâche plus, c'est trop mignon. D'ailleurs, le thème de la semaine prochaine, chat. Alors non, mais le thème de la semaine prochaine est quelque chose qui me permet de survivre en ce moment. Des vers, vers, vers. Oui, tout à fait. T'as fini de grogner? Fais ta mignonne là. Fais de grogner. Pauvre Orion, va. La chaleur, les pulls, non. Il fait pas si froid que ça en ce moment. J'allais ouvrir les autres salons, mais on s'en fout des autres salons. Eh, y a Purple qui nous a partagé ça. Bonjour, le Oula. Oh, il a été chercher les trucs de fond vert d'Amixem. Oh, attends. Oh, attends. Alors, est-ce que vous allez avoir le son normalement? Oui, parce que vous avez ça. On a froid, mais... Non, il fait pas si froid. Le dodo. Ah, ça, c'est possible. J'ai fait la vidéo. Oh là 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 là. Attendez. Je vais couper la musique. Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Game & Watch. Game, au revoir. Oh, et ben ça, je peux vous dire que c'est pas piqué des hannetons. Bah, lui, il est mort. Oui, c'est vrai, on peut dire ça comme ça. Je vous en ai jamais parlé, mais j'ai un super pouvoir. Le voici. Impressionnant, non? Bonjour, le ministère de la Culture, super pouvoir. Le voici. Le Alakader pour super pouvoir, il est incroyable. Oh putain. Oh, j'étais pas prête. Il fait moins 2. Ça descend à moins 7 bientôt. Bah ça va, c'est pas trop froid encore. Qu'est-ce qui est transparent et qui peut bouger, mais qui... attends. Qu'est-ce qui est transparent, qui peut bouger, mais qui peut donner la direction? Qu'est-ce qui est transparent, qui peut bouger et donner la direction? Je sais pas, un champ magnétique. MDR, le Lacader, bonjour à tous, salut Mur, comment tu vas? Mais, MG Mur existe toujours, il est ici sur Game & Watch. Alors oui, Mur est stagiaire à temps plein sur Game & Watch. Mix, quoi. Le vert. Oui. En dessous de 40 degrés, j'ai froid. Mais 40 degrés, c'est déjà inhumain. Ah non, mais attends, faut que je me le repasse, c'est trop bien. Bon, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Game & Watch. Game, au revoir. Oh, et bah ça, je peux vous dire que c'est pas piqué des hannetons. Bah, lui, il est mort. Oui, c'est vrai, on peut dire ça comme ça. Je vous en ai jamais parlé, mais j'ai un super pouvoir. Le voici. Non, non, non. Non, non. Oh putain, mais c'est du génie, Purple. GG à toi. C'est incroyable. Coucou Serenès et tous les Raiders. D'accord. Sur le coup, je me suis dit, il y a eu un raid, j'ai pas vu, je sais pas. Je suis pas au courant, mais ok. Ah, mais j'étais en train de régler un truc tout à l'heure, là, non? Attendez. J'étais en train de régler un truc. Oh, franchement, la Purple... surpassé, c'était très drôle. Je me suis beaucoup marrée. À la base, je voulais le faire fight contre Adrilène. Je suis sous stagiaire à temps non défini. Oui. Il n'y a pas eu de raid, Mur est perdu. Oui, non, mais j'ai bien l'impression. Je suis derp. Adrilène. Et alors, Serenès. Je crois que Adri a pris un créneau cette semaine chez Game & Watch. Je vérifierai après et comme ça, si t'as envie de le voir un petit peu, tu sauras le trouver. Mur, il a vu plus de deux personnes, il a paniqué. C'est un essai de revoir qui me derpe. A pas l'habitude. Ah, c'était la dernière. Ok, attendez, je repasse en chatting.
Ok, alors. Dans un premier temps, laisse-moi voir le planning. Vendredi. Vendredi à 21h minuit, il fait du Breath of the Wild sur Game & Watch. Si vous voulez voir Adrenaline. What? Comment ça, what? Oh, this is May, it's so cold. Oui, c'est May et c'est moi qui l'ai dessiné. C'est moi qui l'ai... Enfin, qui l'ai dessiné. Oui, c'est moi qui l'ai dessiné. C'est moi qui l'ai tracé. Breath of the Wild. Pourquoi j'ai jamais disparu cette toile? On serait mes astrash talk. Alors, et cette semaine, est-ce que vous avez... Est-ce que vous voulez jouer un petit peu, essayer de deviner un peu quel sera le thème de la semaine? Je vous ai donné un petit indice tout à l'heure. Et il va me falloir... Masque, non. Les livres, non. C'est pas grave, je t'aime quand même bien. Oh, c'est beau de l'amour comme ça. Les petits moments de love qui sont partagés, c'est trop mignon. Moi, je parie que c'est sacrifice. Non. Moralité de l'histoire, on a un Mixem qui dit de s'abonner à Game & Watch. Tout à fait. D'ailleurs, t'as pris le mauvais, hein. T'as pris le Game & Watch VOD au lieu du Game & Watch normal. Hein. La raclette, non. La tartiflette, non. Vous pouvez poser des questions hein, pour vous rapprocher. La douche, non. Le chat, non. Rouge, non. Du gravier, non. L'userode. Ah, non. Il faut que, à un moment donné, faut que je mette le thème fanfic. Comme ça, à la fin de la semaine, j'aurai plein de fanfics à lire. Ah, non. Le logo de Purple. Est-ce que c'est noir? Ça peut l'être. Est-ce que c'est tangible? Je ne sais pas. Attends. Je suis fatiguée. C'est quoi tangible déjà? Que l'on peut connaître en touchant. Dont la réalité est évidente. Oui, c'est tangible. Est-ce que c'est petit et marron? Ça peut l'être. Mur d'avrier avec un thème fanfiction. Ah mais de toute façon, Mur là, il faut qu'il la finisse la fanfic. Il y a eu tout ce qu'il fallait pour ça. C'est Tanjiro même. Ah, c'est drôle ça. J'en ai plus. J'en ai plus une affaire. De quoi? De fanfic? Ou plus d'une? T'en as plus à faire ou t'en as plus qu'une à faire? Un ordinateur? Non. Le popo? Non. Est-ce que c'est Purple? Non. Est-ce que c'est un youtubeur? Non. J'ai l'impression de jouer à Akinator. Akinator pété. Mais pourquoi on trigger ce soir? A-t-il plus de trois syllabes? Non. Certainement pas. Et avec 5 grammes d'alcool dans le sang? Comment ça? Ah oui, le Akinator, ok. Est-ce que tu es God Bidou? Oh le pauvre. J'ai un Mexem qui le dit si tu veux. Allez, si à 30 vous avez pas trouvé, je vous le donne. De l'ambre, non. Alors j'ai une planche qui m'emmerde là. Ah voilà, c'est bon. Est-ce que c'est haut? On chauffe. Pain au chocolat, non. De l'herbe, non. Appelé normalement chocolatine. Non, appelé normalement petit pain. Tu me l'as dit tout à l'heure, mais je m'en souviens plus. Bien joué. Huile, non.
un rapport avec la nature. Il peut y en avoir un, mais... Enfin, il y en a un, mais... ça va pas vous aider si je vous dis oui, donc considérez que non. Un marron, non. Peinture, non. Je fais tout bouger. Le carton, non. Déforestation, non. La terre, non. Ah, tu te souviens, ça y est, donc tu joues plus, c'est ça ? Ficelle, non. Un truc noir liquide, oui. Je crois que mur, là. Quoique, non, pas sûr. Le pétrole, non. Effectivement, mais non. Je vais pas le larguer comme ça. Bah non, voilà. C'est pas petit et brun. Comment ça, brun ? Vas-y. Essence, encre, non. Non plus. Mais oui, ton mur a de langue de Chine. Oui, il en a. Je donne ma langue au chat. Chance. Tiens, la langue d'Angèle. Je comprends pas. Elle veut pas de ta langue. Tout le monde le propose quand tu vas leur rendre visite. Oui. Je donne ma langue à Royon perso. Indice numéro 1. Alors, du sang d'elfe noir. Non. Et puis d'abord, le sang d'elfe noir, c'est pas nécessairement noir, hein. C'est les elfes, hein, qui sont noirs, hein. J'en profite, faut que je trouve un truc. Je peux avoir la date. C'est seulement joli. Noir liquide étant, j'abandonne le café. Oui, Angèle, le café! Effectivement, Angèle, le café! Sans elfe noir, c'est bien quand il est en dehors du corps. Alors, c'est purple. Mais c'est naturel. Et de l'encre, ça se boire, oui. Donc le nouveau thème, c'est le café. Merde, désolé, je fais encore tout bouger. Le café, vous le savez, c'est une boisson qui permet à deux de vos streamers préférés de survivre, à savoir Adrélène et moi-même. Le café, est-ce que c'est une boisson que vous appréciez? Est-ce que c'est une boisson que vous n'appréciez pas? Vous pouvez également jouer un petit peu sur le thème et utiliser la couleur café, bien entendu, la saveur café. Peut-être que cette semaine, on pourrait carrément se proposer des petites recettes. Si vous me partagez nos recettes à base de café, vous seriez dans le thème cette semaine. Une photo de quelque chose que vous auriez fait à base de café, vous seriez dans le thème également. J'aurais dû trouver, c'est mon addiction. Déjà, c'est génial le café, mais oui, c'est génial. Café, je sais pas comment je vais faire. Ah oui. Café, c'est une drogue, exactement. On est toujours sur le thème des addictions, hein. Angèle, il adore le thème des addictions. Donc voici, voilà. Est-ce que ça vous inspire, le thème du café? Une situation par rapport au café, ça marche? Oui, ça marche. Oui, ça marche. Angèle, il a mis point sur le thread, c'est très drôle. Oui, oui, j'aime pas. D'accord. T'as le droit de ne pas aimer. D'ailleurs, CRNS, hein, surtout si tu veux participer, mais que t'as trop de Discord, que tu veux pas rejoindre le Discord de Game & Watch, tu peux aussi participer sur le thème et m'envoyer les réponses en MP, c'est pas gênant. Oui, j'avais compris que t'aimais pas le café. Oui, tu as des idées. Super, Mur. Il faut que tu trouves du temps. Oui, c'est vrai que le temps, c'est compliqué à trouver. Moi, cette semaine, j'ai pas eu le temps pour faire du verre.
J'ai pas vraiment été chez moi cette semaine. J'ai participé, moi, c'est vrai. Juste une dernière fois et je file. Oui! C'est pour ça que tu n'es pas notre streamer préféré, Renard, il faut aimer le café, je taquine. Also, je suis sur le serveur de Game & Watch. Ah, je savais. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais rejoint. Je me souvenais plus. Je rejoins, mais j'avais pas le temps d'être actif. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a aucune obligation d'être actif sur le Discord. C'est juste que je me souvenais pas que tu l'avais rejoint, parce qu'au début, tu l'avais pas rejoint, et du coup, je me souvenais pas du tout. C'est pas grave. Tu regardes les personnes sans leur café le matin. Effectivement, Alex. Bref, je file. Eh bien, merci d'être passé des bisous, Angèle. Et bonne création sur le café. Bisous tout le monde en live. Des bisous à toi, Angèle. Attendez. Capture d'écran. Hop. Et on va mettre le jeu. Mes jeux. Ça s'en va. Et ça démarre. Donc, Along the Edge, pour rappel, c'est un jeu où. Et on joue une femme qui a hérité d'une maison, d'un manoir même, et qui est traitée de sorcière par tout le monde. Et apparemment, il y a des choses un peu cheloues qui se passent, et qui sont liées à une famille rivale. Et nous, on est un peu pris entre deux feux, personne nous dit vraiment les infos, on sait pas trop comment. Voilà. Comment ça se goupille? C'est là que l'on est le plus actif pour ceux qui veulent nous parler. Oui, sur le Discord, bien sûr, n'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord. J'ai pas eu le temps de faire ma bêtise avec le vert, je voulais mettre un point vert sur un fond blanc et ensuite faire toute une interprétation libre. Alors, Mur, sache que tu peux toujours le faire. Comme j'ai déjà dit, moi je fais les revues à la fin de la semaine, mais si toi t'as pas le temps et que tu veux le travailler quand même, tu peux le travailler la fois d'après et moi je reviens dessus le dimanche d'après, surtout si tu me dis que t'as envie d'en parler. Après, franchement, n'hésitez pas à participer après. Si j'ai fait ça dans un thread qui s'archive, ça veut pas dire que vous avez plus le droit de participer. Division Angèle, si j'avais déjà un croquis, c'est de la triche ou pas? Non. Non, c'est pas du tout de la triche, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai déjà ressorti des trucs que j'avais déjà écrits. Hein. Bisous Angèle, moi aussi j'y vais. Des bisous, Purple. Fais-moi bonne soirée, mais des bisous, Alex. En fait, le chat, vous êtes tous incroyables. Bah, ok. Purple nous fait du sentimental. Bisous Angèle et bonne nuit Alex, comme toi. Je suis pas si fou, moi, surtout s'en fout. Ok, on va continuer l'histoire. Ah oui, et puis notre personnage, il a envie de se taper tout le monde. Il veut se taper son ex, il veut se taper le BG du coin, mais moi ça me saoule et du coup j'ai dit non à tout le monde. Et puis les cours ont repris. Ray Moyal, c'est pas si drôle que ça. Ok. Je retourne au collège un peu à contre-cœur. D'un côté, le fait de pratiquer les mathématiques me rassure énormément face à l'étrangeté ambiante qui règne au village. Et puis ça m'aide aussi à me sortir Yves Malter de la tête. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression de ne pas être à 100% de mes capacités avec ce travail, qui consiste à principalement à inculquer des théorèmes simplissimes à des enfants qui souvent ont du mal à suivre le fil de mes raisonnements. Ah oui, c'est vrai, on s'est coupé les cheveux parce qu'on en avait marre que les gens ils disent qu'on était une sorcière. Lorsque je vois arriver Monsieur Muller, l'inspecteur, un vendredi soir, et qu'il me prend à part pour discuter, je suis un peu inquiète, d'autant que mon remplacement ne va pas tarder à toucher à sa fin. À ma grande surprise, au lieu de me passer un savon, il me félicite sur le fait que j'ai redressé la barre avec brio et m'annonce qu'il croit avoir décelé chez moi un potentiel inexploité. Au vu de mon cursus universitaire brillant, le fait que je sois totalement surdiplômé pour le poste que j'occupe lui est apparu comme une révélation. Il me propose une promotion. Il semblerait que le rectorat reproche à Monsieur Chastenay son immobilisme et son manque de poigne depuis de nombreuses années, et qu'ils aient pensé à moi pour reprendre les rênes de l'établissement. Il faudra bien sûr que je suive une formation et que je prenne mon mal en patience avec mes collégiens d'ici là. Lorsque, quelques jours plus tard, je suis convoqué dans le bureau de la direction, j'ai une idée assez précise de ce que va être la teneur de notre discussion.
La pièce est plongée dans la pénombre. Je distingue la silhouette du directeur affalée derrière son bureau. Il me regarde entrer avec un air morne. Bonjour, mademoiselle. Assieds-vous, je vous prie. Monsieur Chastenay. Alors que je prends place, il farfouille dans un tiroir et en sort une bouteille d'alcool fort et deux verres. Non mais, tu bois au collège? Je vous en sers un petit. Non. Non, merci. C'est vraiment pas une bonne idée, sinon il va jouer là-dessus et on pourra pas avoir notre promotion. Ne vous inquiétez pas, ça restera entre nous. Ignorant mon refus, il me sert un fond de verre, se sert lui-même une grande rasade, la boit d'un trait et se resserre une seconde fois. J'imagine que vous avez vu Monsieur Muller. Oui. Ne faites pas l'innocente, j'ai compris ce qui se passait, j'ai mes sources au rectorat. Ah, c'est bien, mais moi j'ai rien fait. 30 ans de métier, 30 ans de bon et loyaux service, comme on dit. Putain, de chaise de merde. Mais quand je vous ai vu arriver, je savais. Je savais que ça sentait l'entourloupe à plein nez. Alors, ça sent mal. J'ai vu beaucoup trop de filles, mais je sais comment ça va finir. Oui. Et croyez-moi, ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Toi aussi, t'as écrasé des gens pour en arriver là. Écoutez, monsieur Chastenay, reprenez-vous. Je me reprends si je veux. 30 ans que je me tiens à carreau, que je courbe les chines. Et tout ça, pourquoi? Oh, je sens qu'il va nous agresser. Il regarde le vide autour de lui, comme s'il avait perdu le fil de ses pensées. Ah oui. Il se sert un autre verre. Qu'est-ce que je disais? Mais en fait, il est torché. Vous en étiez à 30 ans que je courbe les chines, je crois. Oui, bref. Bientôt, vous serez à ma place. Et vous comprendrez ce que c'est le poids de l'administration. J'aurais dû le voir venir, toutes ces histoires avec les de la terre et les malfouilles. Oui. Et de la tour et les malterres. Et maintenant, Sophie qui est de retour au village. Je la connaissais bien, la Sophie. Enfin, je veux dire, Madame de la Tour, quand on était jeune. Reprenez-vous, monsieur, vous êtes complètement bourré. Et est-ce que vous apprécieriez que je parle cette flasque au rectorat, exactement? On a fait les 400 coups ensemble, vous savez. Ah bon? Ouais, enfin, c'est avant qu'elle s'entiche, Liv Malter. Je savais que ça finirait mal, ça pouvait pas finir autrement. Pardon? Liv Malter est ma mère? Ah, vous n'étiez pas au courant? Il regarde par la fenêtre, l'œil humide. Oh, il s'est fait plaquer. Deux fois, je me suis fait avoir par votre satanée famille. Vous savez, j'ai été professeur aussi, éducation physique. Enfin, on appelait juste ça gymnastique de mon temps. J'espère que vous penserez à moi quand vous serez à ce bureau. Que s'est-il passé entre Yves et ma mère? Je ne vous oublierai pas. Vous avez vu ce que vous méritez? Chez! Non, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, le chez. Qu'est-ce qui s'est passé entre Yves et ma mère? Ma carrière, le travail de toute une vie, et d'entendre d'être retiré, et tout ce que vous trouvez à me dire, c'est ça? Il éclate en sanglots, je ne sais pas trop quoi faire. Sortez de mon bureau! Mais... Je vous demande de partir! Laissez-moi tranquille! Le pauvre homme fait vraiment peine à voir, je quitte la pièce en silence. Je n'ai pas le cœur de frapper un homme à terre. Po. Bon, le prof de PS qui finit directeur, tu m'étonnes que le village tourne mal! Ah, vous étiez prof de PS, c'est pour ça que vous avez un ventre si volumineux. Alors moi, je vous pose la vraie question. Est-ce que vous avez déjà vu un prof de sport courir? Deuxième question, si oui, sur le total de profs de sport que vous avez vu, combien ont couru? Le reste de la journée me paraît interminable, d'autant plus que je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir une petite discussion avec maman plus tard dans la soirée. Aucun. Je crois 1 sur 4. T'en as eu que 4 des profs de sport? Attends, moi je réfléchis. Moi je crois que j'en ai eu 5 ou 6 et il n'y en avait qu'un qui courait. Sur ceux que j'ai eu. Mais sur tous ceux que je connais, donc une dizaine, j'en ai vu qu'un seul courir. Lorsque j'arrive à la maison, maman est en train de préparer le repas dans la cuisine. Elle lève les yeux vers moi en me voyant rentrer et croit déceler immédiatement que j'ai quelque chose sur le cœur.
Daphné, tout va bien? Tu fais une tête d'enterrement. Il faut qu'on parle, maman. J'ai une discussion avec Jean Chastenay aujourd'hui. Ah, des soucis au travail? Disons qu'il a eu vent de ma promotion et qu'il ne l'a pas très bien pris. Ah? Ah! Oh! Mais ce n'est pas ça dont je voulais te parler. Chastenay était à moitié saoul et il a laissé échapper quelque chose. Une histoire entre Yves Malter et toi avant que tu partes. Va falloir que tu m'expliques. Je crois 1 sur 4. Tu t'es tapé d'autres mecs que papa. Mais ça se fait, c'est lui mon père. Parce que d'après la daronne, je l'ai jamais. Enfin, d'après l'histoire, je l'ai jamais. Elle l'a jamais connu, son père, Daphné. Un ange passe. Maman essuie ses mains sur le torchon, puis prend une grande inspiration. Je savais que cette histoire finirait par refaire surface. Ça ne t'est pas venu à l'idée que, je ne sais pas, de prendre les devants? J'aurais préféré l'entendre de ta bouche plutôt que de celle de Jean Chastenay. Tu te serais fait draguer par ton demi-frère, le drama glauque. En vrai, ce serait vraiment drôle que ça soit mon demi-frère, voire même... Oui, non, oui, vraiment demi-frère, ce serait vraiment drôle. Je suis désolée, Daphné. Quand je suis arrivée au château, il y avait tellement de choses à te dire. Je me suis dit que ça pouvait attendre, qu'il n'y avait pas d'urgence. Et puis voilà, les semaines ont passé, il y a eu des fêtes, et puis tu avais la tête dans ton travail. Ce n'était jamais le bon moment. C'est toujours une histoire de bon ou de mauvais moment. Franchement, les gens, quand vous avez un truc à dire, vous dites pas c'est pas le bon moment. Parce que si vous vous dites c'est pas le bon moment, vous finirez jamais par dire les trucs. Parce que vous attendez que ça soit le bon moment, et au bout d'un moment, vous dites oui, mais si je le dis maintenant, il va se dire pourquoi je l'ai pas dit avant, et du coup, c'est pas le bon moment. Et du coup, c'est pas bon non plus. Oh, ça passe dans certains films, c'est le filet rouge. On avait. Alors, en première, j'avais fait une pièce de théâtre sur la guerre. Et il y avait une histoire comme ça, très très glauque, que je raconterai pas en stream. Où, au final, on apprend qu'une femme a eu un fils, qu'elle a dû abandonner à la naissance. Et que ce fils. Par des agissements que la dame n'était pas d'accord, a eu deux enfants, des jumeaux, avec sa mère. Voilà, vous avez à peu près une idée. Incendie, c'est bien glauque aussi. Mais je crois que c'est Incendie le nom, ouais. Ça me dit quelque chose. Ah bah c'est ça, ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça m'a dit quelque chose quand tu l'as noté, Incendie. Donc oui, voilà, je peux pas trop. Voilà. Mais voilà. Et je connaissais Oedipe. Et Incendie, j'ai retenu un truc du film, c'est le gars qui est assis sur son lit, la tête dans le vide, la sœur qui comprend pas ce qui se passe, et le gars fait 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait 2. Et là, il regarde sa sœur et fait 1 plus 1, ça peut-il faire 1? Et là, la fille, elle comprend ce que ça veut dire. What the fuck? Genre la mère le savait ou personne ne savait? Personne ne savait. En fait, personne ne savait et la mère, quand elle l'a appris, 20 ans encore plus tard, elle n'a pas survécu au choc de la nouvelle en fait. Et du coup, ses enfants cherchent à la fois leur père, qui a été le geôlier de leur mère, et leur frère aîné, qui a donc été abandonné par leur mère à la naissance. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est une seule et même personne. Mais je te promets, cette fois-ci, je vais tout te raconter. Commençons par le commencement. Est-ce que Yves Malter est mon père? T'as une relation avec... Alors, moi, la vraie question, c'est est-ce que c'est mon père? Est-ce qu'Yves Malter est mon père? Grand Dieu, non! Merde! En revanche, c'est vrai que nous avions eu un flirt de jeunesse avec Yves. Il était différent à l'époque, tu dois t'en douter, non? Ce n'est pas l'homme qu'il est devenu maintenant. Nous voulions tous les deux nous émanciper du carcan de nos familles. Ta grand-mère, Adélaïde, a eu du mal à accepter notre relation au début. Mais elle a compris rapidement qu'une alliance pourrait mettre fin à notre vieille querelle. Pour les Maltais, en revanche, c'était tout simplement scandaleux. L'héritier Maltais qui s'acoquine avec une de la tour. Ils ont redoublé d'efforts et d'ingéniosité pour briser notre union, et ils y sont parvenus. Yves m'a brisé le cœur, et tous nos plans sont tombés à l'eau. Que s'est-il passé ensuite?
J'ai mis plusieurs mois à refaire surface. J'ai fait, je dois l'avouer, un peu n'importe quoi pendant cette période. Je voulais blesser Yves autant qu'il m'avait blessé moi. J'ai multiplié les conquêtes amoureuses. Je voulais qu'il réagisse, qu'il ouvre les yeux. C'était idiot, je le sais maintenant, mais on avait à peine 18 ans. Et puis, je suis tombée enceinte. Qui est mon père, tu le sais? Non. Je n'ai jamais été sûre. Et ça n'avait pas d'importance, ni à mes yeux, ni aux yeux de ta grand-mère. C'était la tradition. Les femmes ont toujours été à la tête de la maison de la Tour. Certaines de nos ancêtres ont pris un concubin, comme ta grand-mère, mais la plupart restaient célibataires ou avaient plusieurs partenaires au cours de leur vie. Le fait qu'il n'y ait pas de père était quelque part dans l'ordre des choses. La seule chose dont je suis sûre, c'est que ce n'est pas Yves. On sait déjà bien. Et ensuite, c'est ta grossesse qui t'a poussée à quitter le village? En quelque sorte. Ma maman hésite à me parler. J'ai le sentiment qu'on touche du doigt le cœur du problème. Maman, il faut que je sache. Je sens qu'il y a un énorme non-dit autour de ma naissance. Ça ne peut plus durer, tu comprends? Elle me regarde, bouleversée. J'ai conscience que nous sommes en train d'exhumer quelque chose. Quelque chose qu'elle a essayé d'oublier, d'enterrer pendant toutes ces années. Ce n'est pas ma grossesse qui m'a fait quitter le village. C'est la mort du bébé. Un frisson me parcourt le dos. Ça me renvoie instantanément à ce que j'ai vécu moi, il y a un an à peine. Tu veux dire que tu as perdu un enfant avant moi? Je ne comprends pas. J'attendais des jumelles. C'est ta sœur que j'ai perdue, Daphné. Et tout est de la faute d'Yves Malter. J'ai la tête qui tourne. Je prétexte un aller-retour aux toilettes, mais en réalité, je vais m'isoler quelques instants dans le salon. J'ai besoin d'une cigarette. Une sœur jumelle. Comment a-t-elle pu me le cacher toutes ces années? Et le fait qu'elle l'ait perdue, ça brasse tellement de choses. Lorsque je retourne dans la cuisine, maman est à la fenêtre, en train de terminer elle-même une cigarette. Comment as-tu pu me cacher que tu avais perdu ce bébé, ma sœur, pendant toutes ces années? Elle me regarde, avec un air triste, teinté d'une profonde mélancolie. Qu'est-ce que ça aurait changé? Et puis, comment peux-tu honnêtement me reprocher d'avoir gardé le silence, alors que tu as vécu la même chose que moi? Oh, ne me regarde pas avec ces yeux ronds. J'ai discuté avec Franck avant qu'il ne parte. Il m'a dit que vous aviez perdu un enfant. C'est notre malédiction. Depuis plus d'un siècle, depuis que les Maltaires sacrifient nos enfants. C'est impossible, tu penses que Yves aurait sacrifié mon bébé? C'est impossible! Mais c'est impossible! Massacre. On ne peut pas provoquer des fausses couches avec. Avec quoi d'ailleurs, un rituel magique? C'est la seule explication. Si on ne sait pas, c'est que c'est magique. Et quand on sait, ça devient de la science. C'est ça la beauté. Chaque génération de Maltaires sacrifie le premier-né de la tour. C'est... Oh, c'est violent. Pourquoi ils font ça? C'est comme ça qu'ils ont pris le pouvoir du village. C'est comme ça qu'ils le conservent. C'est un peu l'ambiance. Ouais, t'as vu? Génération après génération, ils ont affaibli notre lignée. Ta grand-mère était persuadée que parce que tu avais survécu et que tu étais de fait la première-née, tu serais celle qui briserait le cycle. C'est pour ça que je suis partie. Je ne voulais pas qu'elle ait son mot à dire dans ton éducation. Elle t'aurait imposé ses attentes intenables. Et puis de toute façon, elle faisait fausse route. Quand tu me l'as dit, tu n'as pas manifesté de capacité magique particulière après tout. Ceci dit, la vie continue. Je sais que ce que tu as vécu est difficile. Mais c'est une épreuve que j'ai surmontée. Et je suis sûre que tu as en toi la force d'aller de l'avant. Oh, la musique qui monte et qui monte. Vous avez le son du jeu? Non, vous n'avez pas le son du jeu. Pourtant, vous devriez. Attends. Ah, je vous ai remis de la musique. Nous nous regardons, c'est à ce moment que maman comprend. Qu'elle comprend enfin cette vérité que je ne peux pas dire. En tout cas, pas sans m'effondrer. Il n'y aura pas d'autre enfant. J'ouvre la bouche, mais les mots ne veulent pas sortir. Ne dis rien, Daphné, j'ai compris. Nous restons en silence toutes les deux. Que dire de plus? Si tout ça est vrai, ça veut dire qu'Yves Malter est le responsable de la mort de ma sœur. Peut-être de celle de mon enfant. Peut-être même de...
Je ne sais plus quoi penser. Je repense à Madame l'évêque et je me mets à douter. Je sais que j'ai été trop passive. Je sais qu'il faut que j'agisse. Cette fois-ci, ça y est, je crois que je suis vraiment, vraiment en colère. Entre ma mère qui me cache des choses et les Maltaires qui passent leur temps à... Leur temps à quoi, d'ailleurs? Entretenir des mensonges? Ou y aurait-il un fond de vérité derrière tout ça? Je ne sais plus quoi penser. D'un autre côté, je pourrais confronter Yves immédiatement. Je n'ai que trop attendu. C'est pas la musique du jeu? Non. Pas du tout. Je vous ai remis de la musique parce que je sais pas pourquoi... Tous mes sons, ils ont dégagé. Il faut que je les refasse. Et c'est tout le temps pareil. Attends, je vais essayer de vous le mettre. Parce que moi, j'ai les deux qui se superposent. C'est désagréable. Ça y est. Là, vous l'avez. C'est le retour de OBS qui se superpose. Comment ça? En fait, le vrai problème que j'ai, c'est que des fois, les sons, ils viennent pas dans le mélangeur audio et je ne sais pas pourquoi. Allô le chat, je ne vous vois plus. Le chat, vous êtes où? Ah ça y est, je vous vois. Regardez, je suis un pirate. Je suis un pirate. T'es mal à la gueule de mon perroquet. Ça va mon petit perroquet? Hein? Dis. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde par la fenêtre. Dis, c'est pas que je t'aime pas, mais je préférerais voir ta tête que tes fesses. Tu sais, pour t'installer, il y a genre mes genoux, il y a mes bras. N'importe quel endroit serait mieux que ma tête, en fait. Et puis elle me fout des coups de queue en plus. Dis. Ah, puis ça ronronne. Non, oh, ronronne. Ah, il y a du monde pour ronronner, hein. Je veux pas respirer tes fesses. Voilà. On va reprendre comme ça. Je vois plus mon stream deck. À côté, je pourrais confronter Yves immédiatement. Je n'ai que trop attendu. S'il est vraiment capable de détruire une vie d'un claquement de doigts, il faut que quelqu'un l'arrête. Mais d'un autre côté, est-ce vraiment une bonne idée de foncer tête baissée? Je repense à Solène Maltaire. Je sais qu'elle et Yves sont proches, au moins au travail. Elle détient certainement des informations sur ce que Yves prévoit de faire. Elle veut vraiment mettre son popotin dans ton visage. Oui. Oui, c'est pas très agréable. Au final, je ne la connais presque pas. Peut-être acceptera-t-elle de m'aider? Que faire? Parler à Yves, parler à Solène. Parlons à Solène. Je voudrais le confronter le plus tard possible, parce qu'il y a encore des ondes d'ombre, je pense. Je vais à la mairie à la première heure le lendemain. La dame de l'accueil me donne les directions et je m'engage dans un jeu de piste compliqué. Le laissez-passer à 38! Je finis par pénétrer dans un grand bureau, derrière lequel je découvre une Solène agitée, le combiné du téléphone à la main. Il y a un carton dans un coin de la pièce, à moitié rempli de quelques dossiers, et une photo de Pierre-Yves qui semble avoir été jetée dedans à la va-vite. Solène a l'air perdue dans ses pensées, indécise. Je me manifeste plusieurs fois avant qu'elle ne se rende compte de ma présence. Elle me dévisage d'un air étonné. Daphné? Ah oui, elle. Figurez-vous que ça fait 10 minutes que j'essaye de vous joindre. Elle me regarde d'un air interrogateur.
Mais que faites-vous ici? Ça va vous paraître étrange, mais on ne s'est croisé qu'une fois au cocktail. Mais j'ai besoin de votre aide. Je sais que votre père prépare quelque chose contre ma famille. Je ne sais plus vers qui me tourner. Justement, je voulais vous appeler. Je me suis rendu compte de mon erreur. Ça fait des années que je vis dans l'ombre de mon père depuis la mort de mon mari. Il y a de la musique dans le jeu là. Non, il y a un léger son d'ambiance, mais même moi, j'entends quasiment rien. Oh, je ne suis pas sourde, j'entends ce qui se dit au village. Papa me disait de les laisser dire. Parce que ça m'arrangeait plutôt bien nos affaires, toutes ces superstitions villageoises. Que je n'avais pas à me préoccuper de tout ça. Après ce que j'ai vu hier, je ne peux plus me voiler la face. Je comprends. C'est difficile d'accepter que vos proches soient parfois très différents de l'image qu'on se fait d'eux. Que ça fonctionne alors, ok. Bah, si t'as des bruits d'oiseaux, des trucs comme ça, c'est que c'est bon. Oui, vous avez certainement raison. Elle esquisse un faible sourire. Vous vous rendez compte que toutes ces histoires sont quand même invraisemblables, non? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous mettiez à y croire vous aussi soudainement? Hier soir, je suis allée dîner chez mes parents. Mon père s'est absenté au dessert, prétextant un dossier urgent. J'ai bien sûr proposé mon aide, mais il a refusé. Du coup, je suis restée discuter avec ma mère. Pierre-Yves est allé jouer dans le salon et au bout d'une dizaine de minutes, il a fait irruption dans la cuisine. Il était en pleurs, je n'arrivais pas à le calmer et je ne comprenais pas ce qu'il avait mis dans cet état. Il montrait du doigt la porte de la cave. Quand j'ai voulu aller voir, ma mère a essayé de me retenir. Bien sûr, je n'ai pas cédé. Si mon fils... Sa voix s'étrangle dans sa gorge. Je sens que ça lui demande un effort de volonté conséquent pour garder son calme. Bref, je suis allée à la cave. J'ai entendu la voix de mon père. Il est en train de parler avec quelqu'un. Quand je suis entrée dans la pièce, j'ai cru voir, je ne sais pas, une sorte d'ombre. Quelques instants plus tard, l'ombre a disparu d'un coup. Je me suis rendu compte que papa avait un grand couteau à la main. Il y avait des bougies partout sur le sol et des dessins étranges. J'ai remonté les marches à quatrième vitesse, mais j'ai pris Pierre-Yves dans mes bras et je suis partie sans me retourner. Je n'ai pas bien dormi de la nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit. Ce matin, j'ai accompagné Pierre-Yves à l'école et j'ai pris tout de suite mon téléphone pour vous appeler. Parce qu'hier soir, j'ai entendu mon père chuchoter Sophie de la Tour à plusieurs reprises alors que je descendais l'escalier. Il y a un grand blanc. Solène a l'air bouleversée. C'était sûrement rien, mais je serais plus tranquille si vous préveniez votre mère, Daphné. J'ai peur de ce qu'il lui arrive malheur. Je l'appelle tout de suite. Vous avez raison. Est-ce que je peux emprunter votre téléphone? Je passe un coup de fil sur mon mobile. Boîte vocale. Je me rabats sur le fixe du château. Pas de réponse. C'est à ce moment-là que je commence à paniquer. J'appelle chez les Bourtines et je tombe sur Gérard. Je lui demande d'aller au château, vérifier si tout va bien. Solène est pâle comme un linge. Écoutez, Solène, ce n'est sûrement rien du tout, mais je n'arrive pas à joindre ma mère. Je vais repasser au château. Oui, bien sûr, ne perdez pas de temps. La remercier. Solène, je ne sais pas comment vous remercier. J'ai bien conscience que ça n'a pas dû être facile. Elle esquisse un petit sourire. Ne me remerciez pas, je me sens tellement bête. J'ai bien conscience que j'ai choisi la solution de facilité. Après la mort de mon mari, j'étais perdue. Je n'avais pas de travail, il était sur le point de déménager, et puis... Il y avait Pierre-Yves. Je me retrouvais veuve au chômage et avec un enfant en bas âge. Quand mon père m'a proposé le job, j'ai accepté. Et j'ai fermé les yeux sur toutes les choses étranges qui se passaient au village. Il y avait toujours une explication, à chaque fois. Je ne pouvais me résoudre à donner du crédit aux superstitions. Ça aurait voulu dire que mon propre père était probablement responsable de l'accident qui a tué mon mari. Mais tout ça, c'est fini. Je ne peux plus décemment me persuader que tout va pour le mieux. Mais tout le monde meurt dans cette histoire, il n'y a pas de famille heureuse. Mais c'est ça en fait. Tout le monde va crever et je pense que mon ex, il aurait pu crever si j'avais recouché avec lui. Parce que du coup, il serait peut-être resté et du coup, il aurait peut-être été dangereux. Déjà, la daronne, elle va crever à mon avis. Oh, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander, d'accord? Merci Daphné, je n'y manquerai pas. Après, là, on n'est pas à l'abri que Solène, elle nous braine et qu'elle fasse croire qu'elle est de notre côté, alors que pas du tout. Je prends congé, puis cours vers la voiture. Et merde. Je vois de la fumée avant même de m'être engagée dans l'allée du château. Lorsque j'arrive dans la cour, je découvre un monsieur Bourtine hébété et un escadron de pompiers. Ah, mademoiselle Daphné! Une chance que vous m'ayez appelé aussi vite! Que s'est-il passé? J'ai trouvé votre mère inconsciente dans la chambre. Et il y avait de la fumée partout. Si vous ne m'aviez pas prévenu, je préfère ne pas y penser.
Moi, j'ai pris la conf avec Solène. C'est la seule personne qui a l'air de confiance. Je suis pas sûr. L'ambulance est déjà partie. L'infirmière m'a dit qu'elle a eu beaucoup de chance. Vous savez comment le feu s'est déclenché? Oh, mademoiselle, c'est sûrement de ma faute. Votre mère a dû vouloir faire du feu dans la cheminée de sa chambre. Elles n'ont pas été ramollies depuis des lustres. Ce n'est pas de votre faute, monsieur Bourtine. Et puis, si vous n'aviez pas été là pour la sauver, le pompier s'approche de nous. Vous êtes la nouvelle propriétaire, capitaine... j'ai pas vu. Oui, Ribière. Bonjour à madame, capitaine Ribière. Votre mère a eu de la chance que Gérard intervienne si rapidement. C'était pas très malin de sa part de rentrer comme ça dans la maison, mais c'est probablement grâce à lui qu'elle a de la vie sauve. Bon, sinon le foyer de l'incendie a été maîtrisé. Vous avez eu de la chance également. C'était juste un feu de cheminée. Il n'y a pas eu de dégâts structurels, mais vous serez bonne pour refaire quelques papiers peints. Merci mille fois, capitaine. Vous savez où a été envoyée ma mère? On est une petite bourgade, certes, mais on a encore un petit centre hospitalier. Enfin, pour l'instant. Vous la trouverez là-bas. C'était l'accent du sud probablement le plus foiré du monde, mais ne vous inquiétez pas. Je passe ma soirée à l'hôpital. Les médecins m'indiquent qu'ils font tout ce qu'ils peuvent et que maman est entre la vie et la mort et que ses chances sont extrêmement minces. Je ronge mon frein dans la salle d'attente, espérant qu'elle reprenne enfin connaissance, que les médecins me donnent le feu vert pour rentrer dans la chambre et qu'ils me disent enfin qu'elle est tirée d'affaire. Alors que je viens tout juste de tomber de fatigue, pelotonné sur le siège de la salle d'attente, un homme en blouse blanche vient me réveiller en me secouant gentiment. Maman a repris connaissance. Elle est faible, mais elle est vivante. Le médecin décide de la garder quelques jours en observation. Je ne sais plus quoi penser. Si Solène ne m'avait pas prévenu, ma mère serait morte asphyxiée à coup sûr. Est-ce que je peux vraiment encore croire qu'il s'agit seulement d'une coïncidence? Je rentre à la maison, en état de choc. Je passe quelques jours hébété. Je n'ai plus la notion du temps. Et ton mercredi, jeudi, je ne sais pas, je ne sais plus. Retrouver ma mère, enfin, pour manquer de la perdre à nouveau, aussi subitement. Est-ce qu'Yves Malter est vraiment responsable de l'accident? Est-ce que tout ça n'est rien d'autre qu'une sorte de malédiction cosmique qui s'acharnerait contre moi? Cosmique, non mais oh. Depuis que j'ai perdu le bébé, l'héritage, le déménagement, je ne sais plus où j'en suis. J'entends la sonnette. Quelqu'un à la porte. Est-ce encore Yves Malter qui vient me tourmenter? Une fois c'est statistique, deux fois c'est coïncidence, trois fois c'est vraiment pas de bol, quatre fois c'est une attaque. Bah là, attends, on a eu... le bébé. On a eu. Techniquement, je pense que la mort de la grand-mère, on peut le compter. Mais je suis pas sûre. Du coup, dans l'autre, on le met pas. On a eu le bébé. La mère. En soi, on a eu une manifestation de notre propre ressort. Mais y a, sinon, depuis Yves Malter, t'as le mari de Solène. La grand-mère. Et si ça se fait, c'est même lui qui a fait mourir la daronne qui foutait le bordel, parce que du coup, ça permettait que Daphné, elle se remette en question et peut-être potentiellement qu'elle veuille repartir très vite. Je n'ai pas le courage de me lever, encore moins d'aller jusqu'à la porte. J'attends que quelqu'un réponde, qu'on me laisse en paix. J'appelle Madame Bourtine, elle ne répond pas. Peut-être qu'elle est rentrée chez elle. Ça sonne à nouveau. Je m'extirpe du canapé et pénètre dans le hall d'entrée. J'hésite encore un instant, mais je prends mon courage à deux mains et j'ouvre. C'est qui ça? Il y a un homme entre deux âges de l'autre côté de la porte. C'est son allure générale et l'odeur de tabac froid qui en émane n'en disait pas assez sur ses opinions politiques. L'écharpe rouge, je ne laisse aucun doute possible. Ah bon? Quoi? Jean-Pierre Tavernier. Oh, bonjour Daphné, je suis Jean-Pierre Tavernier. Oui. Je viens de la part des gars de la Syrie. Et vous avez deux minutes? Non. Pas vraiment, désolé. Oh, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long. Je venais juste vous apporter ça. Mettons un gros bouquet de fleurs. Quand on a entendu pour votre mère, on s'est tous cotisés. On tenait à vous montrer notre soutien. Ça fait des années que les Malter nous exploitent et on en a assez. Je comprends, j'en ai un peu assez moi aussi. Je sais pas trop ce que je peux faire pour vous. Oui. Je comprends, je suis ici depuis seulement quelques mois et j'en ai déjà par-dessus la tête. Ah, je savais que nous nous entendrions. Vous êtes propre après tout.
Comment ça? Vous êtes fonctionnaire, vous êtes forcément pour le partage équitable des richesses, non? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, non, ne... je t'en supplie, le jeu ne me fait pas répondre à cette question. Ah, c'est bon. C'est-à-dire. Bref, je ne suis pas là pour parler politique avec vous. Mais si j'ai envie. Mais si l'envie vous en prend, je suis votre homme. Je sais que les gens du village vous ont regardé de mauvais œil au début. Et puis, moi aussi, je dois vous avouer, avec le château et tout le reste, je croyais que vous étiez plutôt du côté des nantis. Au secours! Alors, est-ce qu'on va encore me proposer de le ken ou pas? Je me rends compte que je vous ai mal jugé. Tout ça pour vous dire que vous avez des amis à la Syrie. D'autant plus que, vous l'avez compris, on en a tous un peu assez des Maltais et de leur histoire. C'est gentil, ça me va droit au cœur. Enfin voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps. Les gars du syndicat sont avec vous, et au village, l'opinion est en train de changer aussi. Le vent de la révolte va se lever, et le peuple va enfin être libéré du joug des tyrans. Oh là 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 là. Il va repartir en chantant des chants communistes. Excusez-moi, voyez, je m'emporte déjà alors que c'est pas encore le grand soir. Vous penserez à changer l'eau des fleurs, c'est important, vous savez. Oui, d'accord. Allez, je file, bonne journée, camarade. Oh putain. Ouh là. Daphné, président, Daphné, président, c'est la lutte finale. Je pense à la même. Il retourne à sa voiture, ouvre la portière, et avant de monter dans l'habitacle, il se retourne et lève le poing gauche vers moi. Puis il démarre en trombe et disparaît dans le virage. Je dois reconnaître que je ne m'attendais à peu près à tout sauf à ça. Tout ce que j'espère, c'est que je vais pas me lever un matin et découvrir un bataillon de grévistes qui organise une sauterie type barbecue café saucisse dans la cour du château. Barbecue café saucisse. Putain. Mais quel enfer! Ah! Le mec il va débarquer, il va dire bon, on va rassembler vos richesses et du coup votre manoir il va servir de cantine. Quoi? Le reste de la semaine passe à une vitesse de l'éclair. Je passe mes journées au collège, inquiète, puis je file à l'hôpital au chevet de ma mère. Je sais qu'Yves n'en restera pas là. Monsieur Bourtine est monté dans l'aile pour estimer les dégâts. Sur ce plan-là, nous avons eu beaucoup de chance. Un coup de peinture, des nouveaux rideaux, et il m'a assuré qu'il n'y paraîtrait rien. Ces versions bourgeoises parisiennes du mouvement prolétaire, ouais, c'est ça. Le couple de gardiens semble d'ailleurs avoir été particulièrement touché par l'accident. Monsieur Bourtine a un air encore plus impénétrable qu'à l'accoutumée. Madame Bourtine, elle, s'est faite vraiment discrète, et je doute qu'elle ait quitté la dépendance depuis quelques jours. Ce qui m'a étonné et touché en revanche, c'est les manifestations de soutien venant des gens du village. Je n'avais pas réalisé que Jean-Pierre Tavernier, le délégué du personnel de la Syrie, n'était que le premier d'une longue série, ni qu'autant de personnes se manifesteraient pour nous assurer leur soutien et de leur amitié dans cette épreuve. C'est pour cela que lorsque maman est autorisée à sortir de l'hôpital pour terminer sa convalescence au château, je ne suis qu'à moitié surprise de voir le petit comité d'accueil qui nous attend à la sortie de la voiture. Nous nous regardons, maman et moi, et je sens qu'elle est profondément touchée par cette attention. Attendez, je crois que j'ai un chat qui défonce la porte. Je vais. C'est que Blanc s'est sorti et Orion est rentré. Donc, littéralement, le chat était vide et j'ai rechargé. Rechargé. Bref. Comme elle est encore trop faible pour rester dehors dans le froid, je l'accompagne jusqu'à la porte. Puis, une fois qu'elle est rentrée au chaud, je me retourne pour remercier les gens de leur attention.
C'est à ce moment-là que je vois une grosse berline remonter l'allée, puis la silhouette massive d'Yves Malter en sortir pour se diriger vers moi. « Salut Jazz, comment tu vas ?» Il avance jusque moi, me gratifie d'un petit sourire en coin, puis se tourne vers le petit attroupement. Du coin de l'œil, j'aperçois Monsieur Martin qui se dirige d'un pas rapide vers la dépendance. Quand je suis venu pour prendre des nouvelles de Madame de la Tour suite à son terrible accident, je n'imaginais pas découvrir une insurrection populaire en train de fomenter dans mon dos. Oh, je sais très bien pourquoi vous êtes là, et ce n'est certainement pas pour prendre des nouvelles de ma mère. Vraiment, Daphné, vous me faites un procès d'intention. Et toi, bah écoute, ça va, je suis fatiguée, mais ça va. Attention, son auditoire, il ajoute. Vous savez, en général, les insurgés se munissent de fourches et de bâtons sur la place du village pour prendre d'assaut le repère de la méchante châtelaine. Pas le contraire. Et puis, je trouve que vous avez tous la mémoire bien courte. Combien d'entre vous nourrissent leur famille grâce à la Syrie? Il pointe du doigt un homme dans la foule. Vous, monsieur Brunel, ne vous ai-je pas prêté de l'argent quand vous avez voulu me montrer votre cordonnerie? Il se tourne vers quelqu'un d'autre. Vous aussi, madame Legendre. Quand votre mari est mort et que la pension de réversion ne vous permettait pas de jongler debout, qui vous a trouvé un logement? Un murmure se fait entendre dans l'assemblée. Vous tous, à un moment ou un autre, vous êtes tournés vers ma famille pour nous demander de notre aide. Maintenant quoi? Vous me plantez un couteau dans le dos? Vous me désavouez après tout ce que j'ai fait pour vous? Encore une fois, mesdames et messieurs, je me permets d'intervenir. Voilà qui voilà, le méchant patronat. Alors, je me permets d'intervenir, mais quelqu'un qui vous dit vous êtes des ingrats parce que, avec tout ce que j'ai fait pour toi, etc., etc., c'est toujours quelqu'un qui essaye de garder la mainmise sur vous. Sachez qu'une relation, ça s'entretient. C'est un petit bâtard, tout à fait. Une relation, ça s'entretient. Et la personne peut vous avoir sauvé la vie il y a 3 ans, si entre-temps elle s'est comportée comme une connasse, bah évidemment qu'il faudra la virer de votre vie. Ne laissez jamais quelqu'un dire « Oui, mais il m'a sauvé la vie. Oui, mais grâce à lui, j'ai... » Non. Si la personne est imbouffable, elle est imbouffable. Et franchement, là-dessus, c'est toxique, exactement, CRNS. Là-dessus, quelqu'un qui fait exactement comme lui, il est en train de faire, faut surtout vous en éloigner le plus possible. Quelqu'un qui aide ne doit pas s'attendre à quelque chose en retour. Vous n'avez rien à personne, les amis. Exactement. Parce que quand tu donnes, c'est gratuit. Si la personne donne pour recevoir, c'est un sacré problème. Exactement. Si la personne vous donne quelque chose, c'est parce qu'elle vous apprécie et qu'elle veut que votre relation ne soit pas entachée. Ou alors, c'est que cette personne veut votre bonheur. Et pourquoi elle veut votre bonheur? Parce qu'elle passe des bons moments avec vous et que si vous, vous êtes heureux, vous passerez des bons moments. Et là-dessus, c'est très important de se dire que si quelqu'un essaye de vous faire culpabiliser parce que vous êtes un ingrat, c'est que cette personne est toxique. Surtout pour les parents. Surtout pour les parents. Les parents, c'est les premiers à utiliser l'argument du « avec tout ce que j'ai fait pour toi ». Manipulation psychologique, exactement. Voilà. On a fait le disclaimer. Ce jeu-là, je trouve qu'on fait beaucoup de disclaimers sur la psychologie. Hein. Tout ça pour vous en remettre à une étrangère. Et ça, c'est pareil. C'est un autre argument. C'est l'argument du « tu me connais, donc tu peux me faire confiance ». Mais moi, je suis désolée. C'est pas parce que la personne vient d'arriver qu'elle n'est pas digne de confiance. Et là-dessus, il faut faire gaffe. Et du coup, c'est le patronat qui essaye de diaboliser les étrangers. Ne vous sentez jamais redevable de vos parents et vice-versa. N'attendez pas que ce que vos enfants vous rendent, vous donnez sans rien attendre en retour, c'est le principe. Oui, tant de sophisme. Je ne sais pas ce que c'est le sophisme. Oui, avec les parents, c'est encore plus compliqué que ça. C'est parce que il y a beaucoup de parents qui ont des enfants et qui se disent que leurs enfants leur doivent quelque chose. Moi, aujourd'hui, mes parents pensent que je leur dois quelque chose parce que ils m'ont nourri, logé, blanchi jusqu'à mes 20 ans. Oui, mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, je parle quasiment plus à mes parents parce que justement, ils ont voulu me faire culpabiliser. En mode, oui, mais tu nous appelles pas. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Oui, mais non. Y a pas de oui, mais. Concrètement, moi, vous m'étouffez. Vous me laissez pas vivre. Vous me laissez même pas être qui je suis. Donc, à ce moment-là, si je peux pas être qui je suis, c'est que vous ne m'appréciez pas. Et bon, depuis, j'ai eu des preuves que ce que je dis est vrai. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Il vote à droite, c'est méchant, Paco. Argument, raisonnement, faux malgré une apparence de vérité. Exactement. Oui, c'est ça, Serenès. D'accord, c'est du sophisme. Eh ben, c'est beaucoup de sophisme. Et là, faut commencer à faire attention parce que ça commence à parler pas mal de politique et c'est pas très Game & Watch friendly. Alors Kiv met la main sur son front, peignant une profonde lassitude, quelqu'un dans la foule le harangue. Mais c'est une de la tour! Kiv m'altère. Une de la tour? Ça fait un siècle que les de la tour se drapent dans leur soi-disant dignité, alors que c'est nous, les Maltaires, qui faisons tout pour que le village prospère. Moi, c'est l'inverse. Mes vieux m'ont donné sans rien attendre en retour. Je les aime pour ça. Maintenant, je sais me débrouiller tout seul. Oui. Moi, ils m'ont forcé à me démerder toute seule, et puis derrière, ils sont là en mode « Oui, mais nous, on t'a donné ci, on t'a donné ça. Oui, mais en l'occurrence, c'était pas ce dont j'avais besoin. » Ça fait partie des soucis. Que reste-t-il de leur soi-disant gloire passée? Un château qui tombe en ruine? Qu'avez-vous fait pour le village, Daphné? Hein? Je vous écoute, qu'avez-vous fait? Yves me jette un regard noir, et je sens qu'il va falloir que je choisisse mes mots soigneusement. Jouer la victime, argumenter, calmer le jeu. Alors, lui, il fait Alors, si on joue la victime, ça peut fonctionner, parce que les gens, on va jouer sur le pathos, sur la pitié, et la pitié des gens va peut-être pouvoir fonctionner en disant que lui, c'est pas bien, il est méchant, et c'est pas bien d'être méchant. Souvent, les gens utilisent le passé pour dire que c'est normal X situation dans le présent. C'est un des sophismes les plus utilisés. Bah oui, c'est un parfait exemple, très, très clairement. Si on argumente, ça marchera pas, parce que lui, il n'est pas dans l'argumentation, il est dans l'attaque. Donc on peut pas être dans l'attaque. Calmer le jeu, ça va pas marcher. Moi, je dis faut jouer la victime. Moi, je dis faut jouer la victime, parce que si on calme le jeu, il va continuer à attaquer. Je fais dodo, je vous souhaite un bon live à tous. Des bisous au mur. À la prochaine. Merci d'être passé. Je vais jouer la victime. Vous me demandez ce que j'ai fait pour le village. Je suis arrivée ici il y a à peine 6 mois. Vous avez eu de cesse de me tourmenter. Je n'ai rien demandé de tout ça. Bonne nuit. Le fameux argument d'ancienneté, exactement. Vous, en revanche, vous avez essayé de m'intimider à de nombreuses reprises, avec comme but avoué de me chasser de ma maison de famille. Daphné, vous exagérez. Tout ce que je voulais, c'était mettre en place un partenariat entre nos deux familles. Un partenariat, vous plaisantez. Quand je n'ai pas cédé immédiatement à vos souhaits, vous avez essayé d'obtenir ce que vous vouliez par la force, comme c'est votre habitude. Un murmure se fait entendre autour de nous. Pour la première fois, je sens qu'Yves est réellement mal à l'aise. Mais oui, parce que là, ce qu'on a fait, c'est que on a joué sur le pathos. Et c'est les gens autour qui vont faire la justice sociale et ça va être le bordel. Et vous les avez ensorcelés, c'est pas possible. Ah non, j'ai joué sur la psychologie. Dites ça à moi alors que vous profitez de ces croyances depuis des années. Alors rentrez chez vous, Yves. Vous êtes en train de vous ridiculiser. Vous croyez avoir le pouvoir, mais il suffit que quelqu'un refuse de se plier à vos règles et le château de cartes s'effondre de lui-même. Je vous préviens. Je le coupe avant qu'il puisse terminer sa phrase. Vous me prévenez de quoi? Serait-ce un aveu pour l'incendie qui a envoyé ma mère à l'hôpital? Ne me poussez pas. Vous ne savez pas de ce dont je suis capable. Le jeu est un poil fort. Ah. Voilà. C'est mieux là, normalement. Non, je ne sais pas, expliquez-moi. Vous me faites pas peur. Là, on va faire un « Non, je ne sais pas, expliquez-moi. Vous pouvez foutre le feu à distance. Vous pouvez faire avoir des accidents à des gens. Non, je ne sais pas, expliquez-moi. Ce dont vous êtes capable. Non, je ne sais pas, expliquez-moi. » Il grommelle quelque chose dans sa barbe. Il en a pas. Parlez donc un peu plus fort. Vous avez une tribune parfaite. Regardez, vos concitoyens sont suspendus à vos lèvres. Il me regarde avec un mélange d'impuissance et de colère. Je soutiens son regard et nous restons face à face en silence un long moment. Il finit par baisser les yeux. Vous connaissez la sortie? Vous m'excuserez, mais je dois aller m'occuper de ma mère. Je tourne les talons et me prépare à fendre le groupe de villageois qui a assisté médusé à la scène. Quelqu'un dans la foule me crie de faire attention. Je n'ai pas le temps de me retourner que le coup de feu a déjà retenti. Yves s'effondre à mes pieds, sa main rougie par le sang, tenant son épaule droite. C'est Bourtine qui a tiré. À quelques pas, M. Bourtine tient, en joue, un fusil de chasse. Son canon fume en volute délicate qui s'élève mollement vers le ciel. Épilogue. Épilogue, c'est la fin? C'est déjà la fin? J'ai pas vraiment vu de compte rendu, moi.
Je viens d'avoir une confirmation de mon vol. Je partirai demain dans la matinée. Tu arriveras à survivre sans moi. Ouais, le best vieux, bah, il est trop bien, Blourtine. Nous sommes dans le jardin, maman et moi, à profiter des premiers jours de beau temps autour d'un café. Il y a quelque temps, cette question aurait été, à défaut d'être rhétorique, certainement une question piège. Plus maintenant. Depuis l'incident avec Yves, les Maltaires se sont fait beaucoup plus discrets. Il se dit au village qu'Yves ne quitte plus tellement la mairie, et que sa convalescence a été difficile. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais j'espère vraiment que le gros de la tempête est enfin derrière moi. Daphné ? Oh pardon maman. Oui, oui, ne te fais pas de soucis, je devrais m'en tirer sans toi. Nous sommes interrompus par Madame Bourtine qui revient du tribunal. Elle s'approche de nous, et son sourire laisse présager de bonnes nouvelles. Alors, quel est le verdict ? Il a été acquitté. Vu le nombre de témoins qui se sont manifestés en sa faveur, le juge n'avait pas vraiment d'autre choix. Au final, ce qui a retourné la situation du côté de la légitime défense, c'est le témoignage de M. Tavernier, un employé de la Syrie qui a juré sous serment avoir vu Yves Maltaire sortir un couteau de sa poche. J'imagine que pour une fois, aucun pot de vin n'aurait pu faire pencher la balance en sa faveur. Monsieur Bourtine doit être soulagé. Oh oui, mademoiselle, il a voulu rester se reposer à la maison, mais je suis venue tout de suite pour vous annoncer la nouvelle. Gilbert, puisque vous êtes là, ça vous ennuierait de me donner un coup de main? J'ai quelques affaires à descendre. Bien sûr que non, madame, montrez-moi. Je l'ai su du regard alors qu'elle rentre dans la maison. Je me resserre un café, il reste un moment à rêvasser. C'est à ce moment-là que je vois une grande silhouette blonde remonter l'allée. Elle se dirige d'un pas décidé vers le château, mais m'apercevant dans le jardin, bifurque en ma direction après quelques instants d'hésitation. C'est la femme du vieux. C'est la femme de Yves. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Bonjour, mademoiselle. Je m'apprêtais à sonner, mais quand je vous ai vue, je me suis permise de venir vers vous. Clotilde Maltaire a l'air particulièrement mal à l'aise et semble avoir troqué sa splendide habituelle pour un peu d'humilité. Il propose un café, lui faire comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue. Le vieux, il avait pas le main qui tremble pour faire le coup de feu non létal comme ça. Bah, en fait, c'est-à-dire que la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, mais la daronne de Daphné, elle a dit si Yves Maltaire revenait sur la terre du château, il avait autorisation de tirer à vue pour le descendre. Mais je lui propose quand même un café. Clotilde, ça c'est une surprise. Je vous offre un café? Non merci, mais si vous vouliez bien m'accorder quelques minutes. Vas-y. Je laisse malgré moi échapper un soupir et lui fais signe de prendre place face à moi. Je vous écoute. Daphné, je dois avouer que je vous ai sous-estimé. Je n'aurais jamais cru à vous voir que vous tiendrez tête à mon mari aussi longtemps. Et que vous arriveriez à vous faire autant apprécier au passage de notre petite communauté. Allons, Clotilde, cessez de me passer la pommade. Je ne crois pas que les excuses soient vraiment votre genre. Non, vous avez raison. C'est peut-être parce que je n'ai pas eu à m'excuser de quoi que ce soit depuis des années. Bref, vous vous en doutez, je ne suis pas là pour ça. Je vais aller droit au but, si vous me le permettez. Je suis venue immédiatement à l'issue du procès de M. Bourtine, mais le verdict n'était pas une surprise. Et ça fait quelque temps déjà que je réfléchis à cette issue. Vous connaissez mon mari, il a ses défauts et ses qualités. J'imagine que vous ne le voyez pas de cet œil, mais je vous assure qu'il va bon fond, malgré tout ce que vous pouvez en penser. Je m'apprête à l'interrompre, mais elle me fait signe de la laisser parler. Soyez gentille, Daphné. Ayez l'amabilité de me laisser terminer avant de m'insulter, s'il vous plaît. Au risque de vous étonner, je vais vous faire une confidence. Je n'ai jamais vraiment cru à toutes ces histoires de sorcellerie. Oh, je vois parfaitement leur intérêt politique, disons. Mais soyons sérieuses, voulez-vous? Je suis ravie que vous le reconnaissiez. Pourtant, il m'arrive même d'en douter. Non, c'est bien, elle le reconnaît. Je vous remercie pour votre franchise et je vous avoue que vous me faites que confirmer mes soupçons. Oui, vous êtes une scientifique, après tout. Et j'imagine que rien au monde ne pourrait faire vaciller votre foi indéfectible en la science, n'est-ce pas? Un ange passe. Quoi qu'il en soit, vous m'excuserez, mais vos vues sur la question ne m'intéressent absolument pas. En revanche, vous avez dû le remarquer, mon mari, lui, y croit dur comme fer. Et les derniers développements entre vous et nous l'ont vraiment, vraiment mis à mal, vous savez. Je sais qu'il vous pardonnera jamais la façon dont vous l'avez ridiculisé devant tout le village. Et maintenant, cette décision de justice. Ça devait arriver tôt ou tard, après tout, il l'a bien cherché.
Tout à fait, Daphné. Et croyez-moi, je déplore tout autant que vous que nous en soyons arrivés là. Ce que je souhaite, c'est que ça s'arrête, une bonne fois pour toutes. Nous n'avons rien à gagner, ni l'une ni l'autre, à entretenir cette animosité. Je sais que je peux faire entendre raison à mon mari, mais pour cela, j'ai besoin que vous aussi vous fassiez un pas vers nous, Daphné, vous comprenez? Ce que je vous propose, c'est d'unir nos deux familles pour en finir avec cette vieille querelle. Unir nos deux familles, qu'entendez-vous par là? Je sais que mon fils entretient une affection particulière à votre égard. Ce que je vous propose, c'est un mariage de raison. Un mariage de raison? Nous ne sommes plus au 19e siècle. Écoutez, je vous assure que Stanislas est un garçon charmant. Ça ne se changera pas, hein, c'est un mariage forcé. Hein. De votre côté, vous n'aurez pas besoin de l'aimer, ni même grand Dieu de lui être fidèle. Tout ce que je vous demanderai, c'est juste de donner le change auprès des gens du village. Nous donnerions notre bénédiction à cette union, bien sûr, ce qui permettrait ce qui mettrait un terme définitif à nos querelles de clocher. Qu'en dites-vous? Êtes-vous sûr de vous pouvoir convaincre votre mari? C'est hors de question. C'est hors de question, j'en ai rien à foutre. Il est hors de question que votre famille ait une quelconque ingérence dans mes affaires de cœur. Et que l'idée même que je puisse accepter vous ait traversé l'esprit. C'est vraiment mal me connaître. Je viens vers vous avec les meilleures intentions du monde. C'est ainsi que vous me recevez? Je vous préviens, Daphné. Nous pouvons encore vous rendre la vie extrêmement pénible. Nous nous regardons quelques instants dans le blanc des yeux. J'éclate de rire. Je peux savoir ce qui vous amuse tant. Je suis très sérieuse. Vous allez regretter de me prendre à la légère. Vraiment, Clotilde? Soit vous vous voilez la face, soit vous me prenez... Soit vous vous voilez la face, soit vous me prenez pour une idiote. Je vous demande pardon. Rien à branler du gars, vas-y, arrange-toi avec Solène. Oui, oui, voilà. Voilà, moi, elle m'aurait proposé Solène, c'était direct. Oui, Solène, j'aurais dit oui en vrai pour mariage avec Solène. Je vous demande pardon. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous venez d'avouer vous-même que vous ne croyez pas à la sorcellerie. Et quand bien même, vous êtes coincé. Imaginons que votre mari décide de demander à cette entité avec laquelle votre famille est censée avoir pactisé de faire encore une fois son sale travail. Vers qui comptez-vous diriger son bras vengeur? Vers moi? Je ne connais pas les règles du jeu, mais j'imagine que s'il avait pu se débarrasser de moi à l'aide d'un soi-disant maléfice, votre mari l'aurait déjà fait. Bien sûr, Yves pourrait essayer de me faire chanter indirectement en menaçant, je ne sais pas, monsieur ou madame Bourtine. Si on considère que l'accident de ma mère est de son fait, on ne peut pas dire qu'il ait réussi son coup. Maman est parfaitement remise. Par ailleurs, et vous le savez aussi bien que moi, la population d'ici est un peu plus superstitieuse, et nul doute que s'il arrive quelque chose à l'un de mes proches, ils en tireront la conclusion qu'ils estiment de rigueur. Sans vouloir entrer dans un concours de popularité, je crois que nous pouvons toutes les deux convenir qu'il n'est pas vraiment dans votre intérêt de provoquer un soulèvement populaire. Enfin, sauf si vous voulez provoquer une émeute ou risquer, je ne sais pas, une grève à la Syrie. Putain, elle est devenue politicienne, Daphné. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, et le fait que la sorcellerie entre ou non dans l'équation ne change absolument rien. Mon argument sur l'opinion politique reste tout à fait valable le cas échéant. Et puis, je ne vois pas vraiment engager un tueur à gage ou trafiquer les freins de mon auto pour vous débarrasser de moi. Vous l'auriez déjà fait. Bref, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Je me replonge dans mon roman, tandis qu'elle reste là, immobile, comme consumée par une colère froide. Au bout d'un moment, je finis par ajouter. Au revoir, Clotilde. Sans me dire, elle fait demi-tour et s'éloigne. Je lève les yeux et la suis du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les arbres. Je n'ai pas revu Clotilde depuis cet après-midi de printemps. Quelques semaines plus tard, la nouvelle du décès de Yves a circulé dans le village. Il aurait été retrouvé pendu un matin dans son bureau à la mairie. Clotilde, elle, a quitté la région sans laisser d'adresse, portant avec elle une grande partie de la fortune que les Maltaires avaient amassée durant des générations. Peu après, les langues se sont déliées et les différentes affaires douteuses dans lesquelles Yves a trempé ont été révélées. Rapidement, le nom Maltaire n'a plus été synonyme de respect et de crainte dans la bouche des villageois. Le temps a passé. Les jours se sont allongés. Peu à peu, la chaleur de l'été est venue réchauffer les vieilles pierres. Durant le mois d'août, il y a eu des rumeurs sur la santé financière de la Syrie et sur son éventuelle fermeture. On sentait planer une sorte d'inquiétude latente sur le village.
Après tout, c'était la première fois depuis un siècle que les habitants ne pouvaient plus se reposer sur la famille Malter, ni pour les guider, ni comme bouc émissaire de leurs déboires divers et variés. Au final, même si les Malter ont été artisans de leur propre débâcle, tout ça me fait l'effet d'une énorme gâchis. Quant à moi, j'ai passé une grande partie des vacances scolaires à bachoter. Quand la rentrée scolaire est arrivée, je suis retournée au collège, mais cette fois-ci en faisant fonction de directrice de l'établissement. Si on m'avait annoncé le tournant qu'allait prendre ma carrière il y a à peine un an, j'avoue que je n'y aurais jamais cru. Je suis d'autant plus reconnaissante de la série d'événements improbables qui m'a menée jusqu'ici. Les rêves étranges que je faisais se sont peu à peu espacés, avant de disparaître totalement. Il y a des choses que je n'explique toujours pas. La mort de Madame Lévesque, l'accident de maman. Je préfère éviter d'y penser. Y a-t-il un fond de vérité, ou cela n'était-il qu'une manipulation des Malter? Je ne le saurai sûrement jamais, et c'est probablement mieux ainsi. Je préfère me concentrer sur ma vie professionnelle. Avec ce grand navire qu'est l'établissement scolaire à gouverner, et la satisfaction, année après année, de former tous ses élèves. De leur transmettre de bonnes valeurs, et de le préparer à la vie adulte. C'est un peu comme être à la tête d'une grande famille recomposée. Est-ce que les choses auraient-elles pu être différentes? Il m'arrive parfois de me poser la question. Que se serait-il passé si j'avais choisi un compagnon pour partager mes jours? Mes peines? Si j'avais plus cru à la magie ou au contraire plus douté? Si je m'étais parfois laissé aller à la colère, au désespoir? Ou au calme, à la clémence, peut-être? Est-ce que ma vie serait différente? Est-ce que je serais moi-même différente? Je ne sais pas. J'ai navigué à vue. J'ai fait tout mon possible. Je me suis balancée au-dessus du vide pendant longtemps, cramponnée au confort de mes certitudes, de mes doutes, et sous la menace omniprésente de l'appel du vide. J'ai laissé mes pas me guider l'un après l'autre, le long du fil. Succès débloqué, chantre du progrès. Ouais, un an de solitude. Parce qu'on s'est remis avec personne, je pense. Hégémonie, c'est quoi ça? Attendez, j'ai des succès, je veux savoir ce que c'est. Ah, faut le temps que ça s'active. Alors, je pense que c'est une good ending. Après, à partir du moment où on meurt pas, c'est pas une mauvaise ending. Mais il faut savoir que les jeux de ce studio-là, t'as plein de fins différentes en fonction des choix que t'as fait. Et t'as pas vraiment de bonne ou de mauvaise fin. Soldat du feu. Cheveux longs, idées courtes. En fait, en fonction des choix que t'as fait, t'as différents succès qui sont déverrouillés. BFF. Ouais, c'est même best friends forever. Le secret de la licorne. Qu'est-ce que cette histoire de licorne? Là, si je vais dans les succès, tu vois ce que j'ai choisi. Tu vois. Genre, enfant prodigue, donc à mon avis, ça c'est la magie. Belle et rebelle, ça c'est celui où je tape tout le monde. Esprit cartésien. Secret de la licorne. Ah merde, je peux pas voir ce que c'est exactement. Orpheline. Accueil chaleureux. Accueil chaleureux, ça doit être celui où on accueille notre ex. Nuit blanche, c'est celui où on doit coucher avec notre ex. Dans les bons coups, je suis pas sûr de vouloir savoir. Mondanité. La voix de la raison, l'avocat du diable. Nécromancie. Waouh, scène d'esprit. Frozen. Belle-mère satanique. Un an de solitude, plaie pensée, coup de foudre. Alors, plaie pensée, ça doit être on se remet avec Franck, donc notre ex. Et coup de foudre, ça doit être on se met avec Stanislas. Famille recomposée, mariage arrangé, avis d'expulsion, sacrifice, hégémonie, pardon. Hégémonie, du coup, ça m'a l'air d'être la meilleure. Sacrifice, ça a l'air d'être une bad ending, tu vois. En vrai, Solène, il y a moyen. Bah, ça a pas l'air. C'est ma best friend, c'est tout. Mais famille recomposée, ça doit être avec Stanislas. Mariage arrangé, c'est se marier avec Stanislas à la fin. C'est d'accepter la proposition de la vieille. Famille recomposée, je sais pas trop ce que c'est la différence entre les deux là.
Avis d'expulsion, c'est quand on accepte le pacte avec Yves de vendre le château. Sacrifice, bon, c'est assez... voilà. Et pardon... ça doit être si je calme le jeu, je pense. Et du coup, voilà. Hein. Je suis assez contente de l'avoir fini. Je me referai peut-être une ou deux runs toute seule. Je vous avoue que je suis assez fatiguée. Donc je vais pas trop traîner là. Mais oui, le pardon, c'est décidé de marier le fils. Ah non, parce que c'était mariage arrangé. De décider de marier le fils. Oh, attendez. Je peux les voir là, les succès. Attendez, je regarde dans les succès. Alors, en fond, machin, tout ça, on s'en fout. Alors, plaie pensée. Terminer l'aventure en ayant une relation amoureuse avec Franck. Coup de foudre, c'est avec Stanislas, comme je pensais. Accueil chaleureux, c'est passer la nuit avec Franck. Nuit blanche, c'est passer la nuit avec Stan. Dans les bons coups, passer la nuit avec Franck, puis Stan. Oh my. Mondanité, discuter avec tout le monde au cocktail. La voix de la raison, suivez le conseil de Franck. Je crois qu'il m'a conseillé de ne pas m'occuper de Madame l'évêque. Du coup, je débutais. L'avocat du diable, suivez le conseil de Stan. Ah non, la voix de la raison, c'est le conseil de Franck. Mais je sais plus ce que c'était son conseil. L'avocat du diable, le conseil de Stan. Mais j'écoutais personne, ni l'un ni l'autre. Nécromancie. Ayez une conversation avec votre grand-mère. Saint d'esprit, choisissez de ne pas appeler votre thérapeute. Frozen. Faites une rencontre étrange lors d'une balade en forêt. Il y a 7 succès cachés supplémentaires. Mais en vrai, je crois que j'ai eu la run la moins intéressante. Parce que du coup, on est vraiment resté hyper cartésien en mode « Non, mais ça n'existe pas, la magie. » Et du coup, on n'a pas du tout plongé dans le truc. C'est presque triste. Ah, et le secret de la licorne, c'est « Ne soyez pas une fille facile. » Donc en gros, ne te laisse séduire par personne. Donc un an de solitude, c'est terminer l'aventure en restant célibataire. Donc c'est refuser le mariage arrangé. Hégémonie, terminer l'aventure en ayant oblitéré la famille Malter. Incroyable. Donc ça, cheveux courts, cheveux longs et idées courtes, c'est le fait de m'être coupé les cheveux. BFF, c'est soyez amis avec Solène Malter à la fin de l'aventure. Soldat du feu, soyez témoin de l'incendie du château. Bah voilà. En vrai, je ferais peut-être une autre run un jour. Où on serait beaucoup plus dans la magie. Mais pas tout de suite, parce que tout de suite, j'aimerais passer sur un autre jeu. Sur quoi j'aimerais passer? Attendez. Je me prends ma feuille et je vous dis ça. J'arrive pas à prendre ma feuille. Merde. Je fais tout tomber. Peut-être faire du Hollow Knight. Ou du Gungeon. Je regarde un peu ce que j'ai. Bon, on fera un autre jeu. J'en ai plein là des jeux en vrai, un dé à faire. Je regarderai et puis je verrai ce que je fais la prochaine fois. Oblitérer, les mots sont dits, oui. Un poil déçu, je m'attendais à des complots magiques et tout. Alors je crois qu'il y en a, mais j'ai pas fait les bons choix, je pense, pour les avoir. Du chevalier creux, quoi. Oh, Gungeon, ça peut jouer à deux. Oui. Mais que en local. Je crois que ça se joue à deux, mais que en local, oui. J'adore Gungeon. Après, si tu veux. On peut jouer en local avec Parsec, ou alors quand je serai installée, soit on fait ça chez toi, soit faut que tu viennes et puis on peut se faire une session de temps en temps. Avec le Steam Remote Play, ah peut-être, faut tester, ça mériterait d'être testé, franchement, il n'y a pas de raison. En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que ce stream vous a plu, je vais l'arrêter là, parce que je suis
terriblement fatiguée et que j'ai besoin de me reposer. N'hésitez pas à follow la chaîne et à rejoindre le Discord pour pouvoir être au courant des prochains lives. Je vois si tu joues à Genshin, j'aimerais tester aussi. Bah ça marche, bah on se cale ça sur Discord, on en discute. Je ne me pose pas de stream pour cette semaine à cause du déménagement, les enfants. Néanmoins, lundi soir, donc demain, je serai quand même sur le Pokémémo avec les copains. Je ne sais pas qui va tester la ligue cette fois-ci. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon courage pour demain. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.